Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la chorale de l'école de la Providence. Thank you.
honorables invités, mesdames et messieurs, en attendant la transmission en direct de l'arrivée de Sa Sainteté le Pape, nous allons nous mettre un peu dans cette ambiance de gratitude et de joie que ce grand événement nous apporte aujourd'hui. Nous allons donc faire une série de la MAC et une série d'applaudissements. La MAC, la MAC, avérez-nous, avérez-nous, attambar, attambar, sociatu. Thank you.
Honorables invités, mesdames et messieurs, je vous invite à présent à vous lever. Nous allons accueillir dans la salle Sa Sainteté le Pape François, accompagné de Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, Andry Naradjouéline, et de son épouse. En leur témoignant de notre gratitude et notre joie, nous allons les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Veuillez prendre place. Sa Sainteté, le Pape François, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Andry Naradjouéline et son épouse, honorables invités, bonjour. Encore une fois cette année, notre merveilleuse Madagascar fut gratifiée par le Seigneur, car une grande image de sainteté se manifeste à travers votre présence parmi nous, Saint-Père. Comme le dirait une célèbre cantique catholique malgache, Nyangaraptia Vanzesutump, Madagascar fut privilégiée de l'amour de Jésus-Christ. En ouverture de cette cérémonie de grande messe de rencontre avec Sa Sainteté le Pape François, nous allons écouter une prestation de la chorale de la Providence. Thank you.
Nous remercions la chorale pour cette merveilleuse chanson de gratitude. Sans plus tarder, j'invite Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, Andry Naradjouéne, à prononcer son discours. Votre Sainteté, Saint-Père Pape François, honorables invités, mesdames et messieurs, vous tous ici présents, aujourd'hui est un jour béni. En mon nom personnel et celui de mon épouse, ainsi qu'en celui de tout le peuple malagasse, permettez-moi, Votre Sainteté, de vous souhaiter la bienvenue à Madagascar, mais aussi de vous adresser nos plus sincères remerciements pour l'honneur que vous nous faites en venant à Madagascar bénir notre peuple et notre nation. C'est un honneur et un plaisir de vous revoir à nouveau et de vous recevoir en visite d'État et pastorale à Madagascar. Votre présence est une marque d'amitié et apparaît comme une promesse tenue, la promesse que Madagascar n'est pas un pays oublié. En effet, il y a 30 ans de cela, le 30 avril 1989, le pape Jean-Paul II a foulé le sol de notre grande île. Son passage a marqué la vie et la foi des Malagas. 30 ans après, vous voilà aujourd'hui chez nous. Tungasu, Paparemasna, Itea Kamavbetska, Reita, Marku Fakatia, Vanasim Fandachanal. La joie des Malagas en votre venue est immense. Une joie qui nous unit pour être en communion avec votre foi et votre message de paix. Votre Sainteté, vous êtes ici en terre amie. Vous êtes ici chez vous. Mi casa es su casa. La visite du pape Jean-Paul II à Madagascar s'est faite presque 30 ans après le retour de l'indépendance de notre pays. Cet événement, l'indépendance de Madagascar, a marqué la libération de la Grande Île, une libération qui aurait dû amorcer notre croissance. Et pourtant, 30 ans après, le développement tant attendu n'est toujours pas au rendez-vous. Les Malagas, pendant 59 ans, ont sombré dans le désespoir et ont perdu leurs repères. Actuellement, en 2019, une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de Madagascar. Votre Sainteté, devant vous et cette assemblée, en ce lieu, en ce jour, je confirme ma volonté et mon engagement pour redresser et reconstruire Madagascar. Je veillerai sur les Malagas. Je serai à l'écoute et aux côtés de mes concitoyens. Je serai attentif aux plus faibles et aux plus démunis. Je cultiverai la justice et l'équité, l'amour et l'espoir. Je ressens et j'ai vu la souffrance de mes concitoyens. Je les ai entendus, je les ai écoutés. Cela m'a fondu le cœur, cela a secoué mon âme. Et je leur ai promis que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pour qu'il croie à nouveau au destin de Madagascar, qu'ils soient fiers de leur terre et qu'ils sont et qu'ils doivent être fiers d'être Malagas. Je vais tout faire pour offrir un meilleur avenir aux Malagas qui, depuis tant d'années, ont souffert de la pauvreté, de l'injustice, de la partialité et de l'abandon. Telle est ma tâche, telle est ma mission, et devant vous, Saint-Père, avec humilité et déférence, je renouvelle ce serment. Je m'attellerai chaque jour à reconstruire Madagascar et à rendre leur dignité aux Malagas. Je leur montrerai que les blessures peuvent être pansées et guérir. Je leur montrerai que la haine nous divise et que l'unité nationale est possible, que l'amour est plus fort que tout, qu'avec la foi, la vraie, tout devient possible. Et c'est ensemble, tous les Malagas unis, que nous serons vainqueurs. Rami Fakati Sik, Dia Yuvalantravo, Isofienanzo. Kua Apanzakola Ifti, Dia Usamba Taisika, Ram Fakati. Ce sont ces paroles en malagas d'un cantique que j'affectionne particulièrement qui dit: si nous nous aimons, alors un nouveau ciel s'ouvrira sur nous, sur nos vies. Alors faites régner l'amour. Alors nous serons heureux si nous partageons l'amour. Votre Sainteté, cette nouvelle page que les Malagas ouvrent est un appel de détresse, mais surtout un signe d'espoir. Les Malagas ont repris leur destin en main. Votre Sainteté, l'histoire de Madagascar me rappelle la longue traversée vers la terre promise qu'a vécu le peuple de Dieu. Notre chemin fut un vrai périple. Nous avons dû affronter de nombreuses tempêtes, de terrifiants orages. Nous avons soupiré, perdu espoir. Nous avons failli perdre de vue notre direction, mais jamais, jamais nous n'avons renoncé. Jamais nous n'avons baissé les bras. Majoritairement chrétiens, les Malagas est un peuple courageux qui garde entre ses mains la foi, l'espérance et l'amour. La foi ardent en Dieu, l'espérance en un meilleur lendemain et l'amour de la patrie. Madagascar est un grand pays, la plus grande île du continent africain. Elle est une terre bénie du Seigneur. Elle est riche, avec des ressources à foison et un potentiel inestimable. Votre Sainteté, les valeurs que vous portez, l'idée morale que vous propagez, est une phare, mais aussi notre boussole. Le peuple a soif de votre parole et votre visite d'État et pastorale parmi nous renforce notre espoir. Elle est porteuse d'espérance et de prospérité pour le pays et pour le peuple tout entier. Nous nous sentons gratifiés et heureux de pouvoir commencer cette nouvelle marche que votre visite illumine. Je sais à quel point il est déterminant et rassurant de commencer un nouveau chapitre avec la grâce du Seigneur et la bénédiction de Dieu. Je me souviens comme si c'était hier, ma visite au Vatican, il y a 6 ans de cela, le 26 avril 2013, en compagnie de mon épouse. Votre Sainteté, vous nous avez reçus. Et pendant notre entretien, je vous ai confié mon amour pour Madagascar.
mon espoir pour ma patrie et mes concitoyens. Puis, vous nous avez bénis. Ce fut un événement mémorable, gravé dans mon cœur. Il fait partie de ces moments uniques dans lesquels j'ai puisé ma force tout au long de ces années passées, jusqu'à ce jour dans mes responsabilités de chef de l'État. Et aujourd'hui, je suis heureux de ne pas être le seul à avoir ce privilège. Je suis heureux que mes concitoyens puissent aujourd'hui recevoir à leur tour cette grande bénédiction. Je suis certain que vos messages et votre bénédiction leur seront aussi précieux que pour moi. Ils seront réparateurs de tous les maux et inspirants pour le futur de notre nation et des générations à venir. Ils marqueront l'histoire de Madagascar. Votre sainteté, pour finir, permettez-moi de reprendre une de vos citations. L'amour est au fond l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. Ces mots traduisent exactement le sentiment de tous les Malagas en ce jour, car par l'amour de Dieu, nous sommes tous rassemblés pour une grande communion. Ainsi, je voudrais formuler pour tous un vœu. Que les années à venir voient la foi des Malagas se renforcer et leur cœur s'ouvrir. Que notre peuple soit uni pour bâtir un meilleur avenir commun. Saint-Père, nous vous demandons de garder Madagascar dans vos prières. Nous vous demandons de prier pour le peuple malagas afin que nous puissions garder ce courage et cette résilience qui nous caractérise. Que nous trouvions la force pour avancer, tous ensemble, car le peuple malagas mérite une vie meilleure, un pays en paix et un peuple uni. Que Dieu bénisse Madagascar, loué soit le Seigneur. Makasite katsikereta reta, masna fandazan. Nous remercions Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar pour son allocution représentant la voix de tous les Malagas. À présent, j'invite Sa Sainteté le Pape à prendre la parole. Señor Presidente, Señor Primo Ministro, Signore e Signori membri del Governo e del Corpo Diplomatico, distinte autorità, rappresentanti delle diverse confessioni religiose e della società civile, Signore e Signori, saluto cordialmente il Presidente della Repubblica del Madagascar e lo ringrazio per il suo gentile invito a visitare questo paese, come pure per le parole di benvenuto che mi ha rivolto. Lei, signor Presidente, ha parlato con passione, ha parlato con l'amore per il suo popolo. La ringrazio per la sua testimonianza di patriota. Saluto anche il Primo Ministro, i membri del Governo, del Corpo Diplomatico e i rappresentanti della società civile. Rivolgo un saluto fraterno ai Vescovi, ai membri della Chiesa Cattolica,
ai rappresentanti di altre confessioni cristiane e di diverse religioni. Grazie a tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibile questo viaggio, in particolare al popolo malgascio che ci accoglie con grande ospitalità. Nel preambolo della Costituzione della vostra Repubblica avete voluto sigillare uno dei valori fondamentali della cultura malgascia, il Fihavananna. Che evoca lo spirito di condivisione, di aiuto reciproco, di solidarietà. Include anche l'importanza dei legami familiari, dell'amicizia e della benevolenza tra gli uomini e verso la natura. Così si rivelano l'anima del vostro popolo e quei tratti peculiari che lo contraddistinguono, lo costituiscono e gli permettono di resistere con coraggio e abnegazione alle molteplici avversità e difficoltà che deve affrontare quotidianamente. Se dobbiamo riconoscere, valorizzare e apprezzare questa terra benedetta per la sua bellezza e la sua inestimabile ricchezza naturale, non è meno importante farlo anche per quest'anima che vi dà la forza di rimanere impegnati con l'aina, vale a dire con la vita, come ha ben ricordato padre Antonio di Padova, Rahaharasfafi. Dopo che la vostra nazione ha riguadagnato la sua indipendenza, essa aspira alla stabilità e alla pace, attuando un'alternanza democratica positiva che attesta il rispetto della complementarietà degli stili e dei progetti. E questo dimostra che la politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere dell'uomo, quando è vissuta come servizio alla collettività umana. È chiaro quindi che la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfera continua per coloro che hanno la missione di servire e proteggere i propri concittadini, in particolare i più vulnerabili, e di favorire le condizioni per uno sviluppo dignitoso e giusto, coinvolgendo tutti gli attori della società civile. Perché, come ricordava San Paolo VI, lo sviluppo di una nazione non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. In questa prospettiva vi incoraggio a lottare con forza e determinazione contro tutte le forme endemiche di corruzione e di speculazione che accrescono la disparità sociale e ad affrontare le situazioni di grande precarietà e di esclusione che generano sempre condizioni di povertà o disumana. Da qui la necessità di introdurre tutte le mediazioni strumentali che possano assicurare una migliore distribuzione del reddito e una promozione integrale di tutti gli abitanti, in particolare dei più poveri. Tale promozione non può limitarsi alla sola assistenza, ma chiede il riconoscimento di soggetti giuridici chiamati a partecipare pienamente alla costruzione del loro futuro. Inoltre, abbiamo imparato che non possiamo parlare di sviluppo integrale senza prestare attenzione alla nostra casa comune e prenderne cura. Non si tratta solo di trovare gli strumenti per preservare le risorse naturali, ma di cercare soluzioni integrali che considerino l'interazione dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali.
Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale. La vostra bella isola del Madagascar è ricca in biodiversità vegetale e animale e questa ricchezza è particolarmente minacciata dalla deforestazione eccessiva a vantaggio di pochi. Il suo degrado compromette il futuro del paese e della nostra casa comune. Come sapete, le foreste rimaste sono minacciate dagli incendi, dal bracconaggio, dal taglio incontrollato di legname prezioso. La biodiversità vegetale e animale è a rischio a causa del contrabbando e dell'esportazione illegale. È vero che per le popolazioni interessate molte di queste attività che danneggiano l'ambiente sono quelle che assicurano per il momento la loro sopravvivenza. È vero. È dunque importante creare occupazione e attività generatrici di reddito che siano rispettose dell'ambiente e aiutino le persone ad uscire dalla povertà. In altri termini, non può esserci un vero approccio ecologico né una concreta azione di tutela dell'ambiente senza una giustizia sociale che garantisca il diritto alla destinazione comune dei beni della terra alle generazioni attuali, ma anche a quelle future. Su questa strada dobbiamo impegnarci tutti, compresa la comunità internazionale. Molti suoi rappresentanti sono presenti oggi. Bisogna riconoscere che l'aiuto fornito da queste organizzazioni internazionali allo sviluppo del Paese è grande e che rende visibile l'apertura del Madagascar al mondo. Il rischio è che questa apertura diventi una presunta cultura universale che disprezza, seppellisce e sopprime il patrimonio culturale di ogni popolo. La globalizzazione economica, in cui i limiti sono sempre più evidenti, non dovrebbe portare a una omogeneizzazione culturale. Se prendiamo parte a un processo in cui rispettiamo le priorità e gli stili di vita originari e in cui le aspettative dei cittadini sono onorate, faremo in modo che l'aiuto fornito dalla comunità internazionale non sia l'unica garanzia dello sviluppo del Paese. Sarà il popolo stesso che progressivamente si farà carico di sé, diventando l'artefice del proprio destino. Ecco perché dobbiamo prestare un'attenzione e un rispetto particolare alla società civile locale, al popolo locale. Sostenendo le sue iniziative e le sue azioni, la voce di coloro che non hanno voce sarà resa più udibile, così come le varie armonie, anche contrastanti, di una comunità nazionale che cerca la propria unità. Vi invito a immaginare questo percorso nel quale nessuno è messo da parte. O va da solo o si perde. Come Chiesa vogliamo invitare l'atteggiamento di dialogo della vostra connazionale, la Beata Victoire, che San Giovanni Paolo II beatificò nella sua visita 30 anni fa. La sua testimonianza d'amore per la sua terra e le sue tradizioni, il servizio ai più poveri come segno della sua fede in Gesù Cristo ci mostrano la via che anche noi siamo chiamati a percorrere. Signor Presidente, signore, signori, desidero riaffermare la volontà e la disponibilità della Chiesa Cattolica in Madagascar di contribuire in un dialogo permanente con i cristiani delle altre confessioni, con i membri delle altre religioni
e con tutti gli attori della società civile all'avvento di una vera fraternità che valorizzi sempre il Fia Banana, promuovendo lo sviluppo umano integrale affinché nessuno sia escluso. E con questa speranza chiedo a Dio di benedire il Madagascar e coloro che vi abitano, di conservare la vostra bella isola pacifica e accogliente e di renderla prospera e felice. Grazie. Sa Sainteté le Pape, Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar et son épouse, Mesdames et Messieurs, c'est sur ces mots de réconfort et plein d'espoir du Saint-Père que nous allons prêter oui à une seconde prestation de la chorale de la Providence. Thank you.
remercions la chorale de la Providence pour cette prestation qui nous a raffermis dans notre foi chrétienne. Sa Sainteté, le pape François, Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Andrinirina Radzouin, Mesdames et Messieurs, à présent, j'invite nos deux chefs d'État à clôturer cette cérémonie de grande messe de rencontre avec Sa Sainteté le Pape par un geste symbolique qui consistera à planter un baobab à l'entrée du palais. Mesdames et Messieurs, je vous invite à vous lever et à applaudir Sa Sainteté le Pape François et Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, Andrinirina Radzouin. Mesdames et Messieurs, avant de quitter les lieux, selon les directives des responsables, nous allons suivre la transmission en direct.